On le défend de loin, on a vu la caméra blindée, en plus du joueur au niveau des bacs à linge. Et le Ratero qui ne trappe pas la barrière qui bat, qui fera uniquement un trop de rotation pour essayer de pouvoir s'insérer sur le bon site depuis ce freezer, mais on l'a vu, la Zami de Casey rôde dans les parages. Et attention, Cyber qui va se rapprocher, on va peut-être avoir une décale, on tente le pré-fire, on va s'annoncer évidemment au niveau de ce freezer, on sait que la route est longue encore jusqu'au bomb site et ça va être à JV92 déjà d'aller prendre un peu de pression, beaucoup de PV dans magazine et Cyber pour aller prendre juste un tout petit poke damage, ça touche l'épaule mais pas de létal pour autant, Andy pour aller faire tomber Herds, et bien on va lancer encore une fois le combat, Cyber pour aller chercher le fight face à JV92, oh, attention le skeleton qui à courte portée, c'est redoutable, wow. KDSI et Sozuan pour aller lancer les hostilités, un beau flores du côté du FaZe Clan pour montrer de quoi il se chauffe et surtout donner la puce à l'oreille à ces W7. Surtout qu'on se doute qu'on arrive par cet SK serveur, on va passer par le main, compliqué comme choix. D'autant plus que le smoke veille au grain du côté des W7M. Ouais, sans pression arrière scène, ça va être extrêmement compliqué. Tu le disais, Fufu, avec malheureusement une pression qui va être archi frontale. On le voit, beaucoup de stuff qui sont en train d'être utilisés. Attention, parce que bah, dans la smoke, on va répondre avec une smoke, tout simplement. Le composé Z8 qui sera là. Felipox pour aller faire tomber KDSI. On va se rapprocher. Soxwan qui va être là. Andy pour arriver à trouver le DBNO. Night pour aller finir le travail sur Andy. Et là, cette fois-ci, Soxwan se retrouvera un peu essoré. Mais on arrivera quand même à les prendre la double élimination. Pardon, oh, ils sont comment forts, les fesses. Qu'est-ce qu'ils sont forts, ils mettent tellement de pression sur les épaules des W7M qui n'arrivent pas du tout à aller contrôler l'arrivée. On n'a pas vu que cette percée allait arriver du côté du main avec le freeze. Trouver son bac. Herbs, il faut lui aller le chercher. Allez, moins un, peut-être moins deux. On va tout de suite se retourner. Non, on fait l'erreur de courir dans son duel. Oh, et KDSI pour aller prendre la double élimination. Que fait W7M? C'est terrible. C'est terrible. On a voulu surcapitaliser sur la zone et bah, on s'y est un petit peu empalé. Nade, allez, enfin, pour se débarrasser de KDSI, ça arrive dans le dos. Par contre, au niveau de la tour rouge, le pilier est pris, même le bleu. On tient la porte du freezer. C'est peut-être la catastrophe puisque c'est la dernière grenade à gaz du côté de Nade. Allez, faut la reprendre cette position au niveau du bleu. JV92 qui va totalement se faire recevoir par Andy. Nade, seul au monde, 1v3, pas de grenade à gaz. Ah ouais, on a les caméras qui sont certes là, mais en même temps voilà, qui viennent d'être récupérées, on est pingé de partout, en fait c'est fini. À partir du moment où t'as le bleu qui tombe, à partir du moment où t'as la pose défaut et la plante défaut qui se libère, qu'est-ce que tu veux faire? Le jeu il est fini depuis au moins 45. C'est intéressant d'aller sonner la charge maintenant, d'autant plus que bah, le chrono lui s'égrène 45 petites secondes. On va essayer de se rapprocher directement au niveau eh bien, du main, on va prendre la buanderie, on va essayer d'aller pousser hein, deux consorts avec ce positionnement, mais derrière Andy réussira à se défaire de Herz. Attention, on va essayer d'aller en finir peut-être la moins deux. Heureusement qu'Andy était là pour aller tenir la pression. Ce sera pour Casey d'aller chercher la revenge Cyber 2 pour 2. On va essayer d'aller avancer maintenant. 29 petites secondes et surtout Casey se fera largement aggro. Knight tout de même pour aller faire tomber Vita King, la super été numérique, et Knight pour aller chercher le désamorceur. On va essayer d'aller planter maintenant Cyber pour aller tenir le DBNO. On va se rapprocher. Il Cyber peut-être pour aller chercher le 7-0. 15 secondes. On n'a pas stick, mais il sera là pour aller sauver une situation absolument calamiteuse. Les joueurs W7M vont s'économiser une balle de map et vont surtout limiter la catastrophe, pardon. Il n'y aura pas de 7 as et peut-être qu'un mouvement bien synchronisé pourrait être la solution du côté des W7M, sauf que derrière eh bien Casey fera tomber Cyber 4 vs 4. On va se rapprocher, là, Electrico qui ne tombera toujours pas sur la décalque, mais les cadeaux, mais qu'est-ce qu'on fait là du côté de Kata ici? On va donner l'opportunité, peut-être le début de cet assaut pour l'exécution. W7M, la super numérique une fois trouvée, va peut-être mettre plus de pression sur les épaules de Vita King qui va se remettre en position. On n'a pas d'information, triple élimination validée. Sauf que derrière, Andy sera là pour aller limiter l'impact de ses adversaires. Double élimination aussi pour ce zone pour Andy. JV92 qui va lui mettre une pression phénoménale. Andy pour aller chercher la double élimination. Felipox face à Andy, un duel au sommet. 17 secondes seulement pour peut-être chercher la bague de map face au W7M. On est en place et on va le faire du côté des FaZe. Un 7-1 littéralement expédié. Les FaZe vont prendre l'avantage dans ce PO5. Ça va jouer au flash, ça va jouer au fumi, ça va se jouer au duel. 45 petites secondes à jouer, rien à se mettre sous la dent au niveau de cet escalier Z et c'est finalement un stuff qui va partir, mais c'est surtout Nade qui va partir aux oubliettes. On va se débarrasser aussi de Casey, de Felipox. Il n'y aura pas beaucoup de stuff puisqu'il n'est resté que Herds au niveau de cette trappe. C'est un flawless sur cette première manche. Les W7M n'ont jamais trouvé la clé. Les interros également, on a l'avantage numérique, on est en train de se positionner pour un rappel fenêtre. Une exécution au niveau du carré, alors il faudra maintenant se méfier au niveau des lignes. Mais Herz qui arrive à mener KDSI, Felipox qui va prendre du contrôle avec
Grimm et les ruches. Ça va être parfaitement géré. D'ailleurs, on a l'information, hein, ce qui se passe derrière Black Mirror. Philippox, il va pouvoir s'insérer. Et Nate de son côté qui va planter. Andy qui va quand même réussir à éliminer Philippox. Vita King qui élimine Nate. Mertz qui élimine également Vita King de ce côté. L'avantage numérique toujours en faveur des WCTM, mais on n'a plus le désamorceur en main. On ne peut pas continuer la plante pour l'instant. Souls One qui ne tiendra pas. Et WCTM qui s'en sort bien encore une fois. Là, on la voit, la synchronisation, le jeu d'équipe côté WCTM. Un peu statique et passif pour le moment. On se sent très très fort sur les lignes. Il faudra ne pas sombrer. Et finalement, même sur une insertion de la part de Philippox, on a très peu de lignes orientées au niveau des fenêtres. On a vraiment concentré le setup sur l'agressivité au niveau de ce carré. Bah oui, ça va être gratuit ici, mais tout de suite bien récupéré du côté de Herz. C'est Nate de qu'on vient tomber, mais qui a eu le temps d'utiliser ses Selma. Ce sera donc sans conséquence hein, pour la stratégie. Cypher qui rate son C4 et qui va tomber sous les balles de KZ. Ça avance du côté WCTM. On continue la protection pour le moment de ce couloir au niveau du carré. Et Herz qui arrive à éliminer Andy. Le loup est dans le BP, ça devient très compliqué. JV qui va pouvoir éliminer KDSI. Allez, Vita King qui va essayer de se replacer. On va essayer de surprendre son adversaire et on va sombrer sous les balles de JV. C'est juste se poser, attendre sa dernière grenade à gaz. Ensuite, on va pouvoir aller jouer potentiellement le duel. De toute façon, les positions vont se recouper. KDS qui se débarrasse de Nate, c'est un 3v4. Le Fate Clan est peut-être en train de revenir, mais Souls One, ça y est tombé. C'était le sacrifice utile. Vita King qui va aller s'offrir un doublé de son côté. On est en situation de 2v2. Faut encore aller planter le désamorceur, mais on l'a pas entre les mains du côté des WCTM. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Herz, ça tient entre ses mains pour aller chercher les deux derniers frags, donc il avait fait les deux premiers de la manche. KDS et Vita King, il est cerné, il est pris entre deux feux. On ne joue pas forcément ensemble du côté du Face Clan. Et oui, on va aller essayer de chercher ce kill. Il est au niveau du gold, Vita King. Herz qui va faire la rotation complète. Il n'a pas le désamorceur entre les mains. On est en train de chercher son adversaire. Ça va se jouer sur le gong à une seconde de la fin. Vita King viendra en terminer et offrira une deuxième manche au Face Clan. Cette position un peu esselée de Souls One, c'est KDS qui va se débarrasser de Philippox directement sur le bomb site. Le C4 de Herz en réponse, il n'y a que lui pour offrir une vraie réponse justement. Ouais, c'est pas du côté Souls des One, WCTM. Hein. Ouh, il est important celui-ci. On ne trouvera pas de vainqueur à ce duel parce que Souls One, s'il arrive à s'insérer, ça peut faire la différence. Pour l'instant, on est encore bloqué. Côté WZM, ça tient une fois de plus et le local. Donc, tant qu'on a le local, pareil, ce sera mission impossible à cause de la Black Mirror. Vita King qui va essayer de mettre un peu de pression, lui en rappel fenêtre, mais dans une situation extrêmement délicate. Et en plus, il va se faire sortir par Herz qui nous fait le quadre kill. Et pourquoi pas aller chercher l'Ace? Et ce sera l'Ace! Et oui! Il a été impeccable entre les C4, l'agressivité, les lignes qui sont prises. Non, alors on n'avait pas tous les mêmes joueurs, mais on avait déjà. C'est ce qui avait fait un petit peu leur signature du Major de Gable. Ouais, et ça avait été assez incroyable. Alors là, c'est pas directement pour aller agresser au niveau du. Oh, attention. Et ouais, non, c'est directement à côté, pas sur le BP. Et oui, KZ, le double kill de KZ, incroyable. Attention, Cyber qui arrive à prendre la revenge. Philippox qui perd énormément de PV. Andy qui finit par l'éliminer. Mais de l'autre côté, c'est KDSI qui perd des PV, Cyber qui est mis à terre, Herz qui va peut-être pouvoir le terminer, pas encore. On est sorti du côté de Nade, il n'y a personne pour le récupérer parce que ça pousse fort du côté des FaZe. On tente le tout pour le tout sur cette insertion au niveau du BP, on n'a pas le désamorceur. On va pousser, Herz obligé de reculer pour le moment. Nade qui pourra revenir, on a fait gagner le temps et on va pouvoir surtout relever un Cyber qui tout à l'heure, attention, c'est risqué. Finalement c'est Herz qui finira par s'effondrer. Nade qui arrive en ultime rempart face à trois adversaires et tombera sous les balles d'Andy. Mais l'insertion est réalisée, on l'a pas vu au niveau de la meeting. On arrivera à arracher la position de Nate, mais aussi celle de Philippox. L'ouverture de cette barricade et KZ, homme providentiel de cette 11e manche qui vient faire chavirer les WCTM et le public. Il y a un joueur derrière ce canapé, il a pas l'information, il reste 30 petites secondes. Vita King, juste devant toi. Vita King peut-être pour le nouveau kill ici, on n'était pas loin, il reste 16 secondes. Il n'a pas encore le désamorceur dans les mains, c'est les choses faites désormais. On va tenter la plante, on va profiter de la bombe et de la barrière qui bat. Sa plante, KZ qui va être obligé de réagir. Il n'a pas l'information et s'est planté du côté de Vita King. À KZ maintenant de devoir jouer cette situation Britech.
Oh, et la belle info, et c'est Vitaking qui remporte ce clutch. Une nouvelle balle de map sauvée. Juste veut faire la différence, yo, on a encore deux grenades à gaz. Du côté de Nade, on a encore un C4 entre les mains de Philippox. Il va falloir être pixel perfect sur cette attaque des FaZe pour aller nous envoyer sur ce premier overtime illimité. 20 petites secondes à jouer. Le désamorceur est bien entre les mains de celui qui est au niveau du serveur. Cyber n'est pas là pour dropper tout à l'heure devant un adversaire. On va apporter un Capitao et son staff. Oh, on va avoir un duel à jouer. C'est surtout JV qui va se débarrasser de Indy. 4v5, on va dropper au milieu du monde. Sinterz va se faire découper, mais Philippox répond et va chercher vite un King Casey sur Cyber. Il y a un joueur qui est en train de désamorcer, on ne l'a pas. Voyez KDS qui sont obligés de traverser, mais c'est le Warden qui fera la différence. Le VIP, sauf que Ernst pour aller chercher la première tête de Cyber, le bug qui va tomber, Philippox pour aller chercher la tête de Andy, Vitaking de son côté se débarrassera de JV92, mais attention parce que oh, sur un pré-fire, on aurait pu avoir un beau coup d'éclair à Vitaking qui va se positionner. J'ai pas vu le positionnement des Arjab, en tout cas ils sont déjà partis. On peut eh bien anticiper et l'imaginer au niveau du shrine, au niveau du dragon, essayer d'éviter un éventuel retour, ça serait intéressant. Alors que les premières caméras sont détectées, on va pouvoir essayer de donner le ton et le rythme du côté de KDSI. Pour le moment, on se cherche encore un petit peu, Paul. Allez, à 30 secondes, il va falloir passer la seconde là, pour les phases. Il y a un nouveau C4 qui est parti, on va menuiser le stuff défensif, mais KDSI continue sur sa lancée de la carte précédente. Le double kill pour Erd également, il ne reste plus que KDS. En situation de 1 versus 3, ce premier round qui devrait filer à l'avantage des WCTM, voilà qui est conclu par un Erd monstrueux tout à l'heure sur Bank, à rang de la foule, il peut se le permettre, triple kill pour lui sur ce premier round, où le Fechlan va peiner à mettre en place son... Casey qui va se rapprocher, attention des blurs, oh mais Casey qui va tout simplement pré-fire. C'est absolument fantastique ce qu'il vient de sortir, le joueur de WCTM. KDSI qui, à force de push, réussira quand même à aller prendre sa revenge. Elle est bien tardive, Saga, puisque derrière, les insertions sont complètement contrôlées. Ils sont partout, ces WCTM, pour aller chercher un troisième point. Cyber sera donc seul, 1 versus 4, seul contre tous. Il n'aura peut-être pas l'opportunité d'aller pousser, ne serait-ce parce que le désamorceur va être complètement contrôlé par les défenseurs. L'attaque s'y perd complètement. On se prend les pieds dans le tapis et surtout on ne comprend rien de ce qui se passe en face de soi. Attention Cyber, 1v3 tout de même, s'il y a un joueur qui est capable peut-être de le faire chez les FaZe, c'est bien lui, l'entry fou. Et Cyber, il y a un joueur sur la droite mais ça va être compliqué, hein. 20 secondes maintenant, on a quasiment plus le temps et il n'y a plus d'erreur chez les WCTM. On va aller jouer ce duel et c'est Nate qui conclut. On ne laisse rien au hasard pour ces WCTM qui éteignent littéralement toutes les tentatives FaZe, on l'a vu. Ce salon de thé, et on le voit, Vitaking qui prendra encore une fois de lourds dégâts. On perd trop de temps hein, sur cette insertion au niveau du drum. 43 petites secondes maintenant, Paul, ça va être très chaud. Ah, Vitaking qui tente de s'avancer, mais c'est compliqué et on pourrait se prendre du stuff défensif également. Alors même si on n'a plus de grenade à gaz pour Nade, il restera un C4 pour JV92. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans ces 30 prochaines secondes? Deux petites flashs, voilà ce qu'il reste entre les mains des FaZe. Soul Zwan qui va tenter de réorienter vers la Geisha, mais la Geisha semble être une position extrêmement compliquée à aller récupérer. Les FNAT qui continuent de freiner la progression de FaZe, qui n'y arrive pas, FaZe qui n'y arrive pas, Philippox qui va se débarrasser de Vitaking. Arkizik a pris énormément de dégâts, Soul Zwan tout de même pour aller ramener la situation en 2v3, mais avec un Cyber low HP ça va être très compliqué. JV92 qui va gagner son duel, il ne reste que Soul Zwan qui sera récupéré par un JV qui peut évidemment se lever et demander les applaudissements du public. WCTM est en train pour l'instant d'éteindre le FaZe sur Skyscraper. Joue un shield hein, bien en place et peut-être pas grand chose pour aller le récupérer. Il faudra trouver une solution pour FaZe. C'est Cyber qui va s'avancer, attention. Barrière qui va déployer et Cyber peut-être pour aller créer la surprise au contact face à Casey qui pourrait tomber là sous la moindre balle de son adversaire. Cyber qui va décaler mais qui va se prendre le pré-fire de Casey qui est incroyable. 40 secondes maintenant au compteur, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'arrêter? Et Casey, oh bah, bien sûr, plaît, Casey pour l'instant il va être arrêté. Ah, c'est pas terminé, il reste encore Soul Zwan en situation de 1v1 maintenant face à Nade. Il reste 30 petites secondes dans ce round et FaZe qui va peut-être aller mettre sa première manche. Oh là, attention, on va se rapprocher, là, quoi, ça peur Segma qui va partir. On veut absolument limiter hein, le pouvoir d'information, mais attention, Nade, parce qu'on va avoir l'information du côté de Soul Zwan. On n'a pas le désamorceur, on va le chercher à la SMG11. On met le feu aux poudres, il a raison d'aller exulter Igor. On est en train de le faire du côté des joueurs WCTM parce que ses défenses, elles passent absolument tout. Une à une, et attaque FaZe qui se fait annihiler. Ernst qui va pas réussir à ajouter sur Cyber, qui s'en sort extrêmement bien. Cyber, petit miracle. Est-ce que par en dessous on va pouvoir le faire tomber? Cyber qui survit, qui continue de survivre dans ce round. Nade qui a pris énormément de dégâts. C'est compliqué pour les WCTM, mais c'est Nade
qui va être débarrassé du terrain. Philippe Ox également, on est au sol, c'est un premier round. Catastrophe ou presque pour W7M, GV92 qui va se faire sanctionner. Bah, il ne reste plus que Herd qui bataillait tout à l'heure pour aller sortir Cyber et on pourrait avoir un flawless pour le Faceclan. Pas impossible, Herd qui va se retrouver tout seul, va falloir réfléchir un petit peu plus à ses stratégies d'attaque parce que c'est vrai que c'était assez peu coordonné. On arrivera quand même à les mettre à force de volonté. Une petite pilule sur Soulzwan, 4 versus 1 donc, Herd pour se propulser encore une fois, ça fait du bien pour le mental, ça fait du bien pour les stats. Maintenant on n'a pas grand chose à espérer de se rendre hein, parce que bah, pas de désamorceur, parce que pardon, la deuxième tête sur Vita King. Écoute, de toute façon, tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre. Hein. Ça veut dire aussi Vita King qui va très sérieusement se remettre en question. On sait que les rotations vont être prises, on sait que la verticalité va arriver et on va essayer de faire attention à ses arrières. Maintenant, depuis ce positionnement en hauteur, on a peut-être un plan de jeu à jouer, mais cette infériorité numérique et surtout ce temps qui s'égrène va être tellement compliqué à utiliser pour les W7M. Allez, on n'a plus quoi prendre de l'information. On navigue totalement à vue. Alors, c'est par la verticalité qu'on essaye d'en récupérer. Il y a un ping jaune qui est parti, peut-être sur le seul drone restant pour les W7M. Casey qui s'avance, qui a entendu son adversaire. On tente de la jouer chacun de son côté, ça peut être une option intéressante, à moins que JV92 ne se repositionne par rapport à un Casey qui progresse depuis le stock. Goombain dans les pieds et surtout Cyber qui va venir le sanctionner. JV tout seul maintenant en situation de 1v3, la Goombain également dans le pied. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour JV? Le temps qui est en train de s'égrener, tu en parlais, il reste maintenant moins de 10 secondes. On va tenter d'amorcer la plante, mais la caméra qui va totalement donner l'information et on conclut pour le Face Clan. Quatrième round consécutif. Oh lolo, ce match qui est en train de prendre une tournure, Léo. SMG11, ça a peu de balles dans le chargeur, mais quand ça part très vite. Hein, et on l'aura vu, hein, on dit pour aller prendre du dégât, mais derrière Philippox qui va. On oublie, je sais pas ce qui se passe, on oublie hein, tout simplement ce qu'il y a en face de choix. Cyber et Vita King qui vont se faire un plaisir d'aller manger les deux attaquants. Et bien, Herds et KZ condamnés à clutcher 5 versus 2. À quand le tactical timeout, Paul? Parce que là, c'est calamiteux là, ce qui est en train d'arriver du côté de l'attaque des W7M. Ouais, c'est probablement pire que ce qu'ont pu proposer les FaZe. On est sur un Skies où les deux équipes ne trouvent pas de solution. Allez, KZ qui va envoyer du stuff sur la Geisha, mais c'est honnêtement avec très peu d'espoir et de volonté qu'on y va là pour les deux joueurs stars de ce roster W7M. KZ qui va totalement se faire éteindre par Cyber. On a tous les faces qui cliquent en plus de ça. Herds peut-être pour subir un nouveau flawless d'ici quelques instants. Le C4 n'aura pas eu raison de lui, mais le joueur qui remonte sur l'escalier main l'aura peut-être. C'est Vita King. Ils sont partis pour aller bloquer la position et c'est JV92 qui sonne. Peut-être enfin la révolte en débarrassant de ce zone et l'accélération d'un Nate qui est en plein milieu du bon site. Est-ce qu'on peut aller faire la différence? Totalement blanc, KDS qui va se débarrasser du blitz. C'est terrible. On n'a pas la réussite pour les W7M dans ce 12e et peut-être dernier round. C'était sans compter sur un JV92 qui va chercher KDS, mais on est au sol du côté du joueur W7M et ça s'effondre. C'est un 2v2 maintenant, ce round qui est parti dans tous les sens. Herd en infiltration depuis le stock peut-être pour aller ramener la situation à l'avantage. Il est tout seul, Herd maintenant en situation de 1 versus 2 face à Indy et Vita King. JV est toujours au sol, on ne pourra pas aller le relever. Est-ce qu'on peut faire la différence pour Herd? Herd qui va tomber sur les balles de Indy, ça en est terminé de ce Skyscraper mené 5-1, le Face Clan et bah est remonté, Léo, pour reprendre la main dans cette grande finale. Cette demi-finale contre les Damwon qui avait été compliquée avec un 1v1 à 7 partout entre Rin et Soulzwan qui nous avait offert un des moments les plus légendaires de l'histoire de Rainbow Six Siege en e-sport. On est donc bien parti sur ce frontière et c'est Herd qui va commencer à mettre de la pression au niveau de ce T1. On s'y repositionne côté Indy et c'est JV qui va se débarrasser de lui. Herd qui commence à mettre de la pression au niveau du carré. Il y a KDS, il ne sombrera pas tout de suite, mais ça y est, KZ vient s'en débarrasser. Cyber pour aller trouver une première réponse. Herd qui va prendre de lourds dégâts sur la position de Vita King qui va continuer à aller agresser. Ça y est, on se retranche, mais Cyber sombrera. La pression est trop forte. L'étau s'est tout de suite resserré. Il ne reste que Soulzwan au niveau du sandwich. Il ne sera pas récupéré par Herd, qu'il va laisser à un HP, mais c'est bien KZ qui viendra terminer. On tape du poing sur la table. Attention, il y a deux joueurs qui ont très peu de points de vie, une balle de l'AK et ça pourrait en terminer des deux. Il faudra jouer extrêmement bien le coup à deux à chaque fois. Côté Vita King, Soulzwan et Andy. La flash qui va partir. Il y a un joueur au niveau du petit desk juste à droite. On s'annonce, il faut un crossfire. Il a peu de points de vie, il n'y avait pas de crossfire. 1v2 maintenant pour Nade face à son frère et Vita King.
à 25 secondes de la fin. Une Gumen dans le pied. Vita King très très low HP. Directement sur le bon site de l'arche. Ils vont envoyer un air jab. Essayer de s'offrir un 1v1. Un 1v1 qui va passer. Oh, il découpe son frère. Il est Il est monstrueux. Les W7M qui vont chercher une troisième manche. Ah, c'est pas un 1v entre les deux frères, mais en tout cas, le 1v3 était exceptionnel, Fufu. Ah, du carré, ça peut nous ramener un 3v3. Il l'a vu. Ouais, c'est audacieux. Il va le redécaler une fois, pas deux fois. Au niveau de la fenêtre, on est en train d'envoyer de la flash et on se retranche. Non, pas vraiment. On va rester en position agressive. C'est Nade qui va prendre de lourds dégâts. On en a pris quelques-uns du côté de KDS. Casey qui va tomber au sol. 4v2. 3v2. On l'annule tout de suite. Mais Vita King est là pour aller faire tomber JV qui avait pris KDS. Du beau jeu ensemble de la part du FaZe Clan qui va en offrir un premier. Messieurs, pas deux fois. C'est Nade. Pas deux fois face à Nade. Il l'a déjà fait. C'était déjà Andy en face de lui, aux côtés de Vita King. C'est encore son frère, aux côtés de Souls One cette fois-ci. Les jumeaux se la donnent sur Border. Attention à bien jouer le coup à deux. On en a vu un droit de ça décale et c'est Andy qui va aller le faire tomber. On lui rend l'appareil d'une des manches précédentes. Mais ça fait quand même 4-1 pour les W7M, Fufu. Enfin, on a réussi à capitaliser sur un avantage numérique. Sur la manche précédente, à prendre le moindre frag, si on arrive à le museler, peut-être que c'est ça la clé. On parlait de ces individualités qui, au moment où elles vont avoir un coup de mou, c'est là qu'il faut réussir à compiler du round. Trop agressif, Cyber, qui va aller se faire sanctionner par Felipox. Nade qui lui passe devant et qui lui stoppe la priorité. Et qui, du coup, s'auto-stop. Finalement. Alors pour le coup, on peut pas en vouloir un Felipox, hein. C'est vraiment Nade qui court dans le pré-fire. Ah oui. Felipox, Hertz, 2v4, Andy en face avec un doc. Ça permettra, si jamais on prend trop de points de vie, de se remettre avec un petit surplus. Hertz qui avance, ça avance sans info. Sans info, côté W7M. Et là, c'est gratuit pour KDS. Il y en a un deuxième qui arrive, c'est Felipox qui passe de la fontaine à la Sissi et il est récupéré par Vitakin. KDS, il y a un joueur au niveau du bureau, il y a un joueur au niveau du bureau. Restant ! C'est pas possible ! Allez, Souls One qui va se débarrasser de Herd. Il n'y aura donc plus personne au niveau de ce bureau. On aura droppé directement sur le bon site. 50 secondes de la fin. On est en train d'arriver sur cet atelier. Il y a un joueur au niveau de cette rotation de la douche. On l'attend pour Vita King. C'est lui qui a le désamorceur entre les mains. Il reste 45 secondes. Le pré-fire de Souls One qui va passer juste au-dessus de la tête de Nade en contrôle sur le bon site. On va envoyer une grenade, essayer de le déloger comme ça. Il va toujours pas la prendre. Il va en prendre une petite, mais sur le flanc. Casey se débarrassera de Souls One. Vita King au milieu. Des deux bombes sites, ça passe à gauche, ça passe à droite, ça joue la samba pour les Brésiliens, mais ça va la prendre entre les deux yeux. 2v2, 20 secondes, et on a toujours de l'agressivité de la part de Nade qui va aller chercher son adversaire. Où est-on pour Cyber? On arrive dans le dos, le pistol n'y fera rien, on sera récupéré par Felipox, me semble-t-il, et les W7M qui vont nous chercher des balles de Decider. Allez, les fades, là, on a l'avantage numérique, faut réussir à construire un petit peu ce round. On est encore une fois très éparpillé, on n'arrive pas vraiment. One sur Herd. Le duel remporté pour doubler l'avantage. Oh, Felipox va être dans la sauce, mais non, on est protégé par Nade qui tient comme un roi pour l'instant son archive, mais ça va être compliqué de tenir sur les deux flancs. Nade qui va essayer de revenir et il se fera là aussi découper par son frère. Il y a vrai duel finalement entre les deux frangins sur cette quatrième carte. Ils se donnent l'un et l'autre. JV qui va s'offrir. Et le triple kill, Vita King qui va pouvoir aller planter. Il est au bout, il y a un ping rouge qui est parti sur sa position. Ça tient peut-être entre les mains de JV pour les mettre dans sa poche comme à son habitude avec sa célébration. Et on va pouvoir passer puisqu'on a le super shorty. Vita King face à JV. On avait un HP. Vita King va terminer. Au niveau de la CC, hein, ça va partir juste tout droit. Une ouverture potentielle. L'IEM surtout du montagne qui va partir pour réaliser l'ouverture. C'est 4 de night du coup pour détruire normalement. Rien du tout. Et là, derrière son Black Mirror, ça va peut-être commencer à devenir compliqué au niveau du site. Casey qui louche un petit peu sur le drone qui arrivait sur sa position. On est en train de deny le stuff adverse. Une minute à jouer, Hertz en dessous. Casey sur Cyber, KDS qui va prendre très cher. Casey, qu'est-ce qui vient de nous coller? Le
un triple kill, il sera arrêté par Vita King, mais c'est un 2v4. Andy, qui sera le seul joueur restant, mais ne pouvait rien faire, les W7M qui sortent une nouvelle fois les cornes. Les taureaux nous offrent un Night Haven Labs qui couronnera notre champion 2024. Il faut toujours compter sur les W7M. La verticalité, ah bah alors que Hertz a pris justement une piège de Frost et tombera sous les balles de Solzwan. Dommage, parce qu'on le voyait bien que l'objectif était clairement d'envoyer un Felipox par en dessous. Et ben on le voit, Felipox il va également sombrer, sauf qu'il n'y avait plus de couverture. Cyber qui se défait très facilement de son adversaire. Et là ça devient maintenant beaucoup plus compliqué pour les W7M. Ouais, on tente l'agression maintenant directement à l'horizontale au niveau du BP. On est en train d'envoyer les grenades au niveau du serveur. Et Solzwan qui va quand même s'effondrer. Et KDSI qui élimine Nade. Mais pendant ce temps-là, on a quand même réussi à faire du kill du côté des W7M. Ouais, attention, KZ qui est en train d'essayer de pousser. On a un joueur derrière ce pilier, c'est KDS qui est reculé. Et KZ qui va tenter d'aller agresser, mais c'est conclu parfaitement le double kill de KDS, le joueur FaZe. Et qui va être doublement repéré par le track du Jackal. Attention parce qu'il y a le soutien qui arrive. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, dans le dos. KDS qui arrive à en prendre un premier. KDS qui va peut-être aller en chercher un deuxième. Les FaZe arrivent à repousser l'assaut W7M. Ah, dommage. On n'est pas réussi à l'avoir. Mais on n'a pas compris du côté de Felipox. Cyber qui s'en sort bien tout de même. Il a perdu pas mal de points de vie. Mais l'avantage numérique toujours en faveur des FaZe. Alors qu'on va tenter de jouer de la verticalité, mais on va avoir un Solzwan et qui va sombrer. Solzwan, attention, oh. Et oui, KZ qui va nous prendre le double kill. Il a totalement libéré la zone des PC. Très très bien géré. On va continuer à envoyer Candela alors que dans la fuite, Andy va également s'effondrer sous les balles de son adversaire. Attention parce qu'il va être couvert par Cyber. Allez, Cyber qui va tenter le C4, mais assez bien esquivé. Et puis finalement, on prendra le dernier kill. Bien joué de la part de W7M, on peut dire merci à KZ qui nous a libéré le top en deux temps, trois mouvements. Quoi. Encore une fois, Fio sur ce cinquième round pour le FaZe Clan. Essaye d'être plus embêtant sur cette carte. En se déployant, on va aller repérer un premier joueur. C'est MD qu'on aperçoit depuis la kitchen. Alors que les W7M continuent d'installer cette pression. MD on va aller chercher, hein. Va peut-être se faire récupérer. MD qui est agressif, attention à ne pas faire l'erreur. Mais non, il est tout seul. Qui vient de mettre sur KZ pour donner l'avantage au FaZe Clan. Ah mais en plus il est venu le pousser tout seul alors qu'on était pas loin d'un TK et finalement c'est Andy qui va en prendre un plus. Solzwan qui continue. Andy qui va tenter le C4. Le C4 il prend le kill. Andy 3 kills dans sa cuisine. Il est chez lui et il en a fait de la nourriture. Et Vita King en plus qui prendra le dernier kill. On annonce une pression qui pourrait venir également depuis la breach et depuis la porte. Solzwan avec Lying aura un rôle prépondérant dans une exécution qui pourrait se lancer d'ici quelques dizaines de secondes, mais pour l'instant retardé par la première grenade à gaz d'un KZ. Solzwan qui s'insère et Solzwan qui va aller doué couper JV92 pour donner l'avantage numérique au FaZe dans ce 7ème round alors qu'on approche de la dernière minute. Non mais c'est intéressant ce qu'on est en train de faire du côté des FaZe. Andy en plus qui va réussir à éliminer Nade. Felipox qui est à terre, qui sera terminé par Vita King. Hertz et KZ qui perdent énormément de PV. Hertz tout de même pour éliminer Vita King qui courait devant lui. Les grenades à gaz pour ralentir. On a énormément d'informations mais on est en train de subir totalement la pression. Cyber qui élimine KZ. Cyber qui terminera sur Hertz. Ils sont monstrueux ces FaZe. Quand ils ont décidé d'exécuter, c'est les W7M qui trépassent. Face à KZ, ça relance peut-être les W7M dans ce round. Oh, il fait mal ce duel perdu. KZ qui va aller se replier sur le bomb site, accompagné par un Nade. Andy qui est extrêmement low HP. C'est pas encore fait pour les FaZe, loin de là. Vita King qui va aller reprendre l'information, repérer un Nade sur sa position. On est relativement proche pour KZ et Nade. On va peut-être tenter d'établir un crossfire. Attention à ces informations, attention à ces drones qu'on pourrait laisser sur le bomb site. Allez, il va être récupéré ce premier drone. Andy qui va tenter l'ouverture du renfort UTP1. On utilise tout son stuff à disposition et il va falloir pousser très très fort dans ces 30 prochaines secondes. Ouverture verticale qui va être réalisée du côté de Vita King, peut-être pour aller bait un petit peu sur une descente depuis l'escalier opposé. Andy qui va tenter le drop. Il va falloir résister pour les W7M, mais on n'est plus au niveau de ce pilier. On s'est relocalisé et on manque d'informations maintenant pour le FaZe Clan. On va essayer de pousser. Est-ce qu'on peut tenir pour Nade? Est-ce qu'on peut tenir pour KZ? Vita King qui ne voit pas son adversaire et c'est le triple kill de KZ. Il ne reste plus qu'Andy en situation de 1v2 et on reste en vie. W7M qui efface une première balle de match. Clan Solzwan depuis le catwalk pour aller envoyer une première Candela et pour aller pousser sur la position d'un Nade. Ça déclenche et c'est JV92 qui va ramener la situation à l'équilibre en se débarrassant de KDS. On ne dit pas son dernier mot.
dans ce round pour les W7M. Soulzwan, attention à l'agression, on a repris la position pour elle, c'est intéressant. Du côté d'air, ça pourrait totalement créer la sensation. Andy qui est inséré au niveau de l'électrical, pour l'instant est complètement bloqué par une Goomine dans le pied. La flash pour l'instant ne pas se faire réceptionner. C'est Ernst qui va aller prendre son deuxième kill. Attention, Ernst qui aurait pu se faire récupérer. C'est Vitakin qui va se débarrasser de JV92. Cyber qui va s'offrir un nouveau joueur. On est très très low HP du côté de Ernst qui arrive à en prendre un deuxième. C'est incroyable, c'est un 2v2. Dans ce nouveau round, ça va tenir. Il ne reste plus qu'Andy en situation de 2v2 qui va tomber. Et sous les balles de Ernst. Oh là là. Oh, ça tient pour W7M, mais je ne sais pas comment, Fio. Drone, ils n'arrivent pas à le prendre, ou du moins ils en laissent deux avant. Maintenant, on va pouvoir récupérer des amorceurs, mais à quel prix? Situation de grosse infériorité numérique dans les 40 dernières secondes. On tente le tout pour le tout avec la RAM. On va essayer d'aller sanctionner des positionnements, mais là, côté W7M, il n'y a pas de suragressivité cette fois-ci. On les attend tranquillement. On a même des joueurs qui sont prêts à jouer par en dessous, à venir donner le lieu de la plante. Attention, on perd Erd ici qui était la solide, qui aurait pu être un élément extrêmement important pour empêcher la plante derrière. Il reste 20 secondes. On a Felipox qui n'est pas très loin. On va tenter d'envoyer les candélas. On tente le tout pour le tout sur l'insertion, mais on tombe. Felipox, il a pris son kill. Soulzwan avec le désamorceur qui est en duel face à Felipox. Il lui met l'OHP, il va même finir par l'éliminer, mais il lui reste plus que 6 secondes. La situation devient extrêmement compliquée pour lui. Il va être obligé d'aller tenter une plante et il ne pourra rien faire. Nouvelle balle de match sauvée par les W7M. Les FaZe en train de s'effondrer. Merci KZ. Il reste plus que 45 secondes. On va tenter une fois de plus le jeu sur verticalité pour aller sanctionner des positions, forcer ces joueurs W7M à bouger. Mais attention, parce que ça va se jouer une fois de plus au niveau des insertions. Pour le moment, on se cache bien du côté des W7M. C'est 30 dernières secondes. Faut pas trembler, faut pas trembler. En face, on a un Nate qui a été monstrueux sur le tournoi. Un Felipo qui a l'expérience, qui pourrait aller faire la différence. On avance pour Vitakin, on avance pour Andy. Oh, on va se faire Felipox, ça arrive à en prendre un peu mieux. Attention, Felipox qui va se replacer, ne pas faire l'erreur, la verticalité qui n'est plus travaillée. On lâche la position pour Soulzwan, on va aller drop, rejoindre son coéquipier Andy qui est en train de s'insérer sur le bomb site. Non, pour l'instant, on retire Andy qui va tomber. Soulzwan, on va peut-être encore effacer une balle de match. Andy qui s'insère et qui va tomber sous les balles de Nate. C'est pas possible. Oh, c'est incroyable, Fio. 6-5, les W7M ne lâchent rien. Ouais, on a pris les informations, cette fois-ci on a pu détruire aussi énormément de gadgets. Mais oui, on ne veut pas faire d'erreur, on ne veut pas être en désavantage numérique rapidement. Tu le disais, on essaye de se mettre en position, mais attention à ne pas trop tarder non plus parce que W7M risque d'être mort de faim sur leur BP derrière. Alors que tout a été renforcé, on va pouvoir ouvrir rapidement au niveau du BP. Mais on a Felipox, il va se louper, il n'aura pas réussi à prendre le duel. Il va venir se repositionner, mais il n'a pas vu que ça arrive de l'autre côté. S'il l'a vu, c'est Felipox qui le prend, ce duel important sur Andy. Incroyable, attention, nouveau duel qui se présente ici. Pas de réussite pour l'instant du côté des joueurs FaZe, mais JV qui élimine Cyber, Vitaking de son côté qui mine le faire. Mais ils sont en train de le faire, les W7M. KDSI désormais seul, sans le désamorceur pour les 40 dernières secondes. Il y a 4 adversaires à chercher le frappant. La remontée des W7M. Overtime. C'est incroyable, Fio, c'est incroyable. Ils étaient menés 6-1. 6-1, il remonte. Attention à KZ également, qui se tient à proximité, ses 4 entre les mains. Ça ne vous connectera pas sur un Andy qui s'est écarté, heureusement pour les joueurs FaZe. Attention, ce duel il est important, Nate qui va en prendre un JV par contre qui s'effondre. Et ça ramène la situation en 3v3 à KDS, qui dit que le FaZe Clan n'a pas donné son dernier mot dans ce round d'Overtime. Fio, 3v3. Ouais, 3v3, il reste 40 secondes à jouer. Encore une fois, on a la solice de Felipox qui pourrait également faire la différence sur le lieu de la plante notamment. Alors que du côté d'Andy avec le désamorceur, on est en train d'effectuer la rotation. Oh oui, on a repéré la Solis, on s'en doute, mais on va pas aller chercher. On a aussi un adversaire, le FNAT, qui va donner les informations. On va tenter l'insertion en force du côté d'Andy. Andy qui voit les jambes, Andy qui va pouvoir prendre le kill. Mais d'autre côté, Felipox et Ernst qui prennent également les kills. Andy qui se retrouve seul, qui tente le travers sur Felipox. Il y arrive à prendre le kill. Attention, dernier duel maintenant face à Ernst. Le bandit, mais c'est Ernst qui l'a mis. Balle de match pour les W7M. X pour aller détruire un peu de gadget, et on a l'information sur Cyber et c'est JV qui va pouvoir l'éliminer. JV qui s'insère, il en a un juste à côté de lui, il l'a pas vu. C'est Andy du coup qui prendra le kill. Nade qui est en train d'aller, on pousse du côté des W7M. On a pas mal d'informations, on est obligé d'envoyer les grenades à gaz, le dropper, on n'arrive pas à récupérer. Andy qui s'effondre sur sa trappe. On progresse petit à petit du côté des W7M. Ce sera un 3v3 à jouer pour la dernière minute. Erd au niveau de cette ouverture qui va mettre Vitakin au sol, on se donne, il ne reste
Perez en situation d'un V3. Oh, c'est terrible. Nate qui s'avance, c'est lui qui a le désamorceur entre les mains. On a l'information sur le positionnement de Nate. Est-ce qu'on peut pas aller relever Vitakin qui est en contact avec KDS qui va s'avancer? C'est fini. WZM sont les champions du monde, vainqueurs du Six Invitational 2024. On n'y croit pas du côté de Nate, on n'y croit pas pour ces WZM menés 6-1. Qui fait 5 balles de match sur la dynastie WZM.